Bonjour et bienvenue au MEG. Aujourd'hui, je présente la programmation du mois de novembre. Suivez-moi. On commence par une conférence internationale qui a lieu ici. Voilà, alors le 24 et le 25 novembre, nous aurons le plaisir de vous accueillir au MEG, mais aussi en ligne, en duplex, pour assister et participer à la conférence « Décoloniser la recherche de provenance », une conférence internationale avec de nombreux invités des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du MEG. Quelle est la meilleure manière de venir voir l'exposition? C'est de participer à des visites guidées et d'assister à des conférences-rencontres. Pourquoi participer à des conférences-rencontres? C'est l'occasion d'approfondir le sujet et de poser des questions à des spécialistes, comme par exemple des membres de communautés autochtones, des scientifiques, des activistes ou encore des artistes. Le samedi 13 et le dimanche 28 novembre, le MEG vous propose de participer à une visite guidée de l'exposition. Mais il y a aussi de nombreuses autres visites, n'est-ce pas Floriane? Merci Yannick, oui, effectivement. Le samedi 20 novembre, Dialogue en route vous propose un parcours guidé de Genève entre histoire et mémoire, en collaboration avec le MEG. Vous y découvrirez comment des savants genevois ont contribué à construire des inégalités par leur théorie. Le parcours dure environ 1h30 et il se termine avec une immersion dans les collections coloniales du MEG, ici, avec moi. Pour les familles, le MEG vous propose des activités, des visites et des ateliers pour les enfants, comme par exemple le vendredi 12 novembre, venez participer à la Nuit du Conte sur le thème « Notre planète, notre maison ». Mais aussi une visite découverte le dimanche 14 novembre sur le thème « Le prince et le saumon ». Last but not least, les ciné-dimanches. L'agenda cinéma est fréquemment mis à jour sur le site internet pendant le mois. Notamment, vous pourrez retrouver le dimanche 28 novembre le film d'animation « Princesse Mononoke ». Je vous rappelle que les projections sont gratuites. Pour en savoir plus et pour réserver votre place, rendez-vous sur le site du MEG. Nous vous attendons nombreux. À bientôt !